Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Alors, dans une démarche d'éducation à une alimentation de qualité, l'établissement a décidé de faire un partenariat avec Croislet, le leader du lait en France. Plein de bonnes choses pour la santé. Ouais. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les enfants. Croislet nous a fait cadeau de ce merveilleux écran 4K qui remplacera votre tableau. Alors, la seule contrepartie que vous ayez à faire, c'est de consommer une briquette par jour et de regarder ce spot publicitaire. Les briquettes Croislet ! Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir ! Allez, bonne journée à vous, les enfants. Allez, à nous le grand écran pour se remater l'intégrale de Breaking Bad. Pourquoi ça marche pas ? Il est drôlement bon, ce lait. En plus, c'est bon pour la croissance. Je sens que mes os grandissent. Oh, putain, télécommande. Les briquettes Croislet ! Parce que c'est bon pour la croissance, et en plus, on se fait plaisir. Croislet ! C'est trop bon ! Et en plus, c'est bon pour la croissance. On a compris, hein, ce problème de croissance, vraiment. Hein, mais ça résout pas ce problème de tulu. Les briquettes Croislet ! C'est pas possible, ça se relance tout seul, cette merde. Et en plus, on se fait plaisir. Non, s'il vous plaît, là, les enfants. Bon, le lait. Et puis en plus, c'est bon pour la croissance. Les briquettes Croislet. Oh putain, du bordel de merde. Parce que c'est bon pour la croissance. Et en plus, on se fait plaisir. Les briquettes Croislet. Oh là là. Parce que c'est bon pour la croissance. Et en plus, on se fait plaisir. Putain, on s'est fait niquer. Cette putain de télé ne diffuse que de la pub pour ce putain de lait. Et c'est quoi le problème avec la croissance? Pas sûr, moi, que du lait vous fasse grandir plus vite. On peut faire des mots fléchés? Oh, c'est pas possible. Vous avez l'air d'avoir 60 ans. Me dites pas que c'est à cause de... Les briquettes Croislet! Parce que c'est bon pour la croissance. Et en plus, on se fait plaisir. Ta mère. Ok. Il doit y avoir un mode d'emploi. Une trop forte consommation de lait Croislet entraîne différents effets secondaires comme diarrhée, vomissement, risque de vieillissement prématuré. Et en même temps, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu avec cette histoire de croissance. Ok, en plus il m'énargue. Et c'est quoi la solution, bordel ? En cas de vieillissement prématuré, le consommateur doit pratiquer une activité ultra-régressive. Ok, fastoche. Les enfants avec moi. Frère Jacques, dormez-vous. Ça marche pas. Ok, alors, au clair de la lune, on peut pas faire plus régressif. C'est quoi les paroles déjà? Ah ouais, au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Oh là là, et même ça? Ok, alors, qu'est-ce qui peut être plus régressif qu'une comptine pour enfants en bas âge? Du Yans. Non, pas de Yans. Pitié, Mininours, on veut pas chanter du Yans. On peut bouffer notre caca, c'est régressif ça. Non, il va falloir chanter du Yans. Non, je préfère bouffer du caca que de chanter du Yans. Vous arrêtez de chouiner et vous chantez du Yans. Cochonnet chante du Yans. Non. Cochonnet chante du Yans. Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisant. Yes, ça marche. Allez, tous ensemble. Non. J'ai dit tout le monde. Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Yes, je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais merci Yans. Vite, monsieur Cheval, chantez du Yans. Non, je crois que je préfère crever. On pourrait faire autre chose que vous écouter lire les 10 serial killers les plus terribles de France par Christophe Andelatte. Bah, je m'apprêtais à vous lire le 4e chapitre sur Émile Louis. Émile Louis avait l'habitude de faire des gâteaux. Des gâteaux à la fraise, des gâteaux à la banane. On s'ennuie, nous. Bah les couilles, c'est moi qui décide. Attendez, qui choisit les sujets, Mininours? Bah, qui d'autre que moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes pas en âge de réfléchir, voilà pourquoi. Et qui sait mieux que vous ce qui est beau pour vous? Moi! Alors, on écoute l'histoire d'Émile Louis. J'exige un vote démocratique. Il exige un vote démocratique. Sauf que t'es un gosse et que moi, je suis un adulte. On veut un vote démocratique, nous. Ouais. Pourquoi? Tu vas faire quoi, Cochonnet? Te battre contre moi? Tu veux un contrat qu'on aille se fighter dans le square comme des bonhommes? T'es chaud, hein? Bah non, t'es un enfant et je suis un adulte. Réfléchis. Moi, je veux me battre. Moi aussi. Oui, je veux me battre. Si on se met tous ensemble, on va pouvoir changer les choses. Venez avec moi, les amis. Wow. Attendez, je veux pas me battre contre vous, moi. Je vais me faire engueuler. S'il vous plaît. Non, c'est pas cool. Attendez. Les enfants, attendez. Souvenez-vous, c'est à ce moment-là que les choses basculent. Vous vous rappelez? Nous pouvons encore revenir en arrière et faire en sorte que... Putain!
indépendants. On a pris le pouvoir. Discutons de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'aimerais qu'on repeigne la classe en rose. Moi, je veux qu'on peigne la classe en noir. On pourrait libérer Mini-Nours et jouer à un autre jeu, s'il te plaît? Tu voudrais libérer Mini-Nours après cette révolution? L'histoire n'a pas le temps pour les modérés comme toi. C'est-à-dire? On est grand. On n'a plus besoin des adultes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce que l'on a toujours rêvé? J'aimerais bien peindre la classe en rose, moi. Moi en noir. Les amis, je vous dis que nous avons le pouvoir. C'est unique. Vous ne voulez pas qu'on fasse de grandes choses, comme apporter la paix dans le monde? Moi, je veux peindre la classe en rose. Mais t'as parlé de paix dans le monde et tu as attassé. J'ai toujours rêvé d'être libre. Et rien ne vaut la liberté. Que nos choix ne soient pas bafoués. Que notre liberté ne sois pas entravée. Liberté! Je t'en prie, fais pas comme toutes les révolutions qui tournent mal. Te transforme pas en un putain de dictateur névrosé et narcissique. C'est quoi la prochaine étape? La photo de ta tête partout dans la classe avec écrit en dessous « Chacha a toujours raison » ? Est-ce que c'est de la propagande, ça, mon pote? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, les enfants, j'ai appris de mes erreurs et je vais vous faire un vrai cours d'histoire. Ouais ! La guerre de 100 ans. Connaissez-vous l'histoire de Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc avait un maréchal et ce maréchal s'appelait Gilles de Rais et il était, oh, serial killer. Putain ! Et ouais, je vous ai bien niqué.